préfère parler d'Hashirama d'abord. Vous avez donc Hashirama Hello Skill Break, qui est très intéressant, très difficile à obtenir, vu qu'il lui faut 4 étoiles et c'est compliqué. Moi, je l'ai même pas 3 étoiles, comme vous pouvez le voir, donc c'est un peu compliqué. Cependant, il est excellent. Pourquoi? Déjà, de base, il est bien. Non, je vais pas pouvoir voir la percée là. Ah ben, j'avais tout préparé en fait, sauf que voilà, je me fais pas suffisamment confiance. Donc, pourquoi il est intéressant? Puisque, bon, Sonichi est déjà très intéressant de base, mais à l'époque, des gens jouaient le jouaient P1, ce qui était tout à fait à leur honneur, vu qu'il y a interruption, et en plus ils volent le chakra, enfin bon, bref. Du coup. Du coup, attendez. Je lis ses sorts, je reviens tout de suite. Ok. Donc son ultime, il gagne. Enfin, il inflige faiblesse, il dissipe la super armure, donc ça c'est vraiment très très fort. Et cette esquive est inesquivable comme celle de base, en fait, tout simplement. Combo de 3, ça peut vous aider à faire des combos de 10, etc. Ou des combos de 20. Bref. Vraiment très très bon. Donc supprime la super armure, c'est vraiment excellent. Rajouter faiblesse va vous diminuer toutes les stats de vos adversaires, vraiment très très bon. Ensuite, sur sa poursuite, donc chute petite lévitation, immobilisation, absorption de points de chakra, ça c'est excellent. Et surtout, elle augmente le temps de chargement de l'équipe d'un tour. Donc c'est vraiment très 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 bon. Ensuite, sur la deuxième poursuite, la poursuite de 30, bah, qui aidait avec son outil en fait, vous supprimez les effets indésirables, limité aux effets. Donc ça, excellent, et vous infligez immobilisation. Donc excellent. Et ensuite, le troisième ultime, c'est selon votre volonté propre. Ça permet de soigner tous vos ninjutsu Senjutsu, donc tout ce qui est Naruto, Tsunade, Minato, je crois qu'il y appartient à ça, Jiraiya, mais Jiraiya n'est pas joué. Donc bref, vous avez la version, ce que ça fait en Chine. Il y a CN 2 points. Et s'activer. Donc bref, cet effet activé 2 fois par jour, donc très intéressant. Ça soigne votre équipe. Si vous avez besoin d'un soigneur, pourquoi pas. En plus, il me semble qu'il est immunisé aux effets indésirables de base. Donc vraiment très très bon. Lorsqu'il lance cette compétence. Il me semble, hein, ou alors pas du tout. Non, il soigne juste. Bon bref. Donc très intéressant pour pouvoir soigner vos équipes. Enfin les trois, c'est à la disponibilité de chacun. La compétence en Y, donc très très bon. Il a la même compétence de Gaara, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il prend des coups, il va se soigner de pourcentage de vie. Et il diminue le taijutsu et le ninjutsu de l'attaquant. Donc ça c'est vraiment très très fort en fait. Et il est immunisé aux effets indésirables, donc très très bon, très excellent. C'est tout à fait enfin, très très bon. Gaara est intuable, donc un Hashirama Edo, bah avec ça c'est la même chose. Sauf que lui il est immunisé aux effets indésirables en plus. Bon, certes il n'a pas la super armor, mais bon bref. Et ça c'est un peu quelque chose plus davantage de niche entre les trois. Mais ça peut être tout à fait dévastateur dans des bonnes teams. En fait, ça diminue. Donc, à chaque fois qu'il bouge, il va diminuer le temps de rechargement de l'équipe de 6 ninja Senjutsu. Donc, tout ce qui est Minato, Naruto, etc. Vous l'avez compris. Donc, ça peut être très très fort. En Chine, il soigne les ninjas avec cet effet. Bon, bref. Le seul contrepartie, c'est lorsqu'il attaque. Il diminue son propre. Enfin, il augmente son propre temps de recharge d'ultime. Donc, ça veut dire qu'il va ultime beaucoup moins souvent à cause de cet effet. Donc, sympa à double tranchant. C'est-à-dire que vous donnez l'opportunité à vos autres ninjas d'ulti le plus souvent possible. Mais en contrepartie, Hashirama ne va jamais lancer sa compétence ultime.
Donc c'est un peu à double tranchant, c'est un peu quelque chose de niche. Bref. Mais en tout cas, ce qu'il faut redire, c'est que c'est un ninja très très bon. Et il peut supprimer la super armor. Il enlève le chakra. Il immobilise. Il peut enlever l'immunité aux effets néfastes que les ninjas ont. Par exemple, tout ce qui est Minato, Naruto, etc. Et il augmente le temps de rechargement de la cible de 1 tour. C'est excellent. Donc très très bon ninja. Ensuite, je vais vous parler. Je dis on, mais enfin, je suis tout seul quoi. Aïe aïe aïe. De Hashirama no Year. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'en général, les ninjas no Year, etc., certains sont très nuls, d'autres très bons. Et en général, les ninjas no Year sont. Enfin, nouvel an chinois. Je crois que c'est nouvel an chinois. Bref, en général, ils sont assez mauvais, mais celui-là il est plutôt très très bon. En même temps, chez Hashirama, donc vu que c'est un peu le dieu ninja, faut bien qu'il assure au bout d'un moment quoi. Donc, sur son ulti, il inflige des dégâts à toute l'équipe cause combo de 8, donc très très bon pour provoquer des poursuites de 30, etc. Supprime les unités aux effets indésirables comme le collègue Hashirama Edo Skill Break, donc très très bon. Il abaisse le maximum chakra à l'équipe adverse de 60. Vous vous rendez compte? C'est aussi l'apanage des bons ninjas, c'est-à-dire que bah ils font plein de trucs à la fois. Il supprime l'unité aux effets indésirables, donc très très fort. Il supprime le chakra maximum de l'équipe en face. Il cause immobilisation à la cible. Vraiment très très bon. Il contrôle. Il a vraiment beaucoup de choses. Le seul défaut, c'est qu'il. Enfin, le seul défaut, si on peut en trouver un, c'est qu'il n'inflige pas de statut, de lévitation, de chute, etc. Donc c'est un peu. Bref. Ensuite, sur son attaque de base, il attaque 3-4 ennemis, cause combo de 3, et surtout, il cause faiblesse à un ennemi. Donc faiblesse très très, très fort. Diminue les stats Taijutsu et Ninjutsu de la cible. Et je crois que ça empêche l'apparition de buff ou de bouclier, je crois. Enfin, c'est vraiment excellent. Ensuite, il a même poursuite que. De. Ah non, c'est un peu différent. Ok, il cause chute pour petite. Il augmente le coût de la cible en chakra de 20%. Donc ça peut être vraiment très intéressant pour empêcher votre adversaire de lancer vos ultimes. C'est un peu moins intéressant que d'absorber tout le chakra, comme peut faire son collègue Hashirama Edo percé, ou Hashirama Edo normal en fait, vous me direz. Mais ça peut être tout à fait intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au début du tour, il soigne un allié au hasard. Il dissipe tous les effets indésirables. Donc, c'est un assez bon soigneur, mine de rien, en fait. En plus de pouvoir bien contrôler l'adversaire avec. Il retire l'immunité, il applique immobilisation. Il peut appliquer la faiblesse aussi également. Et également, il augmente le nombre d'activations de poursuite. À lui et à son allié pendant un tour. Ça peut être très très bon d'augmenter les poursuites sur certains ninjas. Je pense par exemple à Shisui notamment ou autre. De rajouter des poursuites, ça peut être tout à fait intéressant. Et en plus, il est immunisé aux effets indésirables et il a le même passif que son collègue Hashirama Edo. C'est-à-dire que il reprend des points de vie à chaque fois qu'on le tape dessus, comme notre ami Gaara Kazekage, bien évidemment. Ensuite, vous avez Kabuto. Alors, Kabuto, non, il n'est pas là. Où est-il? Alors, Kabuto. Et après, je pense que j'aurais fait le tour, non? Pas du tout. Ok, j'ai réussi à mettre Kabuto. Donc lui, Ninja Control ici également. Donc lui, il inflige deux clones, quoi. Donc lorsqu'il lance son ultime, il invoque deux clones. Donc ça peut être intéressant. D'autant que bah, les clones, à compatibilité égale notamment, lorsque vous avez une compatibilité supérieure, c'est difficile de s'en débarrasser. Donc c'est tout à fait intéressant d'invoquer des clones en fait.
Donc ulti dégâts inesquivables à la cible, donc ça c'est très très bon. Il supprime la super armor, très très bon. Et il inflige possession mortuaire. Alors je ne me rappelle plus ce que ça fait possession mortuaire, mais ça, je crois que ça a même effet que tout ce qui peut. Alors c'est peut-être écrit quelque part. Bon, on continue la lecture. Et sinon, je vous dirai de tête ce que fait possession mortuaire. Donc attaque une ligne, attaque de base, attaque une ligne aléatoire, change de côté sud. Bon, ok, d'accord. Attaque horizontale, quoi. Je crois que c'est ça, ouais. Ensuite, une poursuite, bon, qui active deux fois, pas très intéressant vu qu'il n'y a pas d'autres effets. Il inflige que des dégâts. Bon, bref. Donc, tant que ceci n'est déjà en vie, son attaque et nos joues sont augmentés de 10% pour chaque âme morte à invoquer. Ok, le fait d'invoquer des clones, ça lui augmente attaque et Ninjutsu, donc très bien. Les clones ne peuvent pas mourir avec des attaques standards, donc ça c'est excellent, c'est très très pénible à s'en débarrasser du coup. Donc ça vous protège vos autres ninjas des attaques de base en fait, vu qu'ils vont s'invoquer devant si vous posez correctement vos ninjas, donc très très bon. Et son deuxième passif, c'est lorsque lui ou ses ennemis sont attaqués, l'attaquant a 40% de chance de subir possession mortuaire. Et on a l'application de ce que c'est possession mortuaire. C'est un effet indésirable qui dure deux tours, donc très très bon. Et d'accord, il a un peu le même effet que pouvait avoir le main feu. C'est-à-dire que lorsque la cible qui utilise ses effets lance un ultime, elle perd beaucoup de points de vie. Et cet effet affecte aussi les ninjas immunisés, donc très très bon, et surtout ne peut pas être enlevé. Donc quelque part, c'est un peu un dilemme, puisque si votre adversaire décide de lancer un ultime, son ninja va prendre beaucoup de dégâts. Si ça fonctionne comme le main feu, et ça fait longtemps que j'ai pas vu sur une vidéo en Chine, donc je sais plus exactement à quelle hauteur sont ces dégâts, mais en tout cas, si ça marche comme le main feu. Vous souvenez-vous, vous lancez votre ultime alors que le main feu vous a posé le contrôle monde illusoire, machin, le truc là, vous vous lancez votre ultime, il vous reste plus que 100 points de vie. Ça peut, si c'est un peu dans le même principe, ça peut très vite être extrêmement intéressant comme ninja, comme défait comme ninja. Donc voilà. Donc encore une fois, petit disclaimer que j'ai pas fait, mais bien sûr, mais c'est des avis personnels. Je lis les sorts et je regarde plus ou moins ce que je vois en signe, et en fonction de ça, je vous en transmets la chose. Je regarde depuis combien de temps je fais cette vidéo. À mon avis, ça doit faire longtemps. Oui, bah ça fait 30 minutes. Bah génial. On va commencer. On va terminer avec le dernier ninja. Donc Kushina Skill Break. Donc il faut que je vous explique aussi qu'est-ce que je considère comme un tank, parce que ça c'est un peu intéressant. Alors c'est un ninja qui en PvE a des capacités de résister aux coups, c'est-à-dire que ben en général, enfin si vous appliquez la stratégie de stack P1 vu que c'est la stratégie qu'il faut faire en fait globalement, même si les personnages que je dis tank, c'est-à-dire que en tant que P2, donc avec votre deuxième meilleur équipement qui n'est pas excessivement bien, il a la possibilité à combativité égale de résister quelques tours avant de succomber. Il a, enfin, les tanks ont cette capacité-là, enfin, ont cette capacité, enfin, ont davantage de moyens de résister que les autres ninjas. Et en plus de ça, ce que je considérais comme un tank, c'est un ninja qui peut éventuellement, sous certaines conditions, rentrer en tant que P1 dans des compositions qui cherchent à aller au tour 10, des compositions immortales, etc., etc. Donc, revenons-en à nos boutons, à notre magnifique Kushina. Donc, celle-là, je sais bien ce qu'elle fait, mais bon, pour vous montrer exactement, puisque je la joue en fait, donc c'est un peu plus simple de. Non, oui, non. Ah, oui, elle est là. C'est bon, j'ai réussi.
C'est un peu plus simple à se rappeler de ce que font les ninjas lorsque vous le jouez, bien sûr, bien évidemment. Donc, elle peut jouer de deux manières différentes. C'est aussi, rappelez-vous, un avantage qualité des bons ninjas, c'est qu'ils ont plusieurs applications, ils font plein de choses, ils sont versatiles, etc., etc. Donc, je vais vous présenter ses compétences, peut-être. Donc, son ultime, vous avez le choix entre augmenter les dégâts. Bon. Bien sûr, oh, une petite augmentation de dégâts, ça fait toujours plaisir par rapport au sort de base. Ça supprime l'immunité aux effets indésirables. Ça, c'est excellent. C'est l'un des premiers ninjas qui a été capable de faire ça, mais c'est vraiment excellent. Puisque après avoir fait ça, vous allez pouvoir éventuellement le contrôler le ninja adverse. Donc, c'est vraiment très très bon. Également sur sa version Y, le cooldown, donc le temps de récupération, passe de 6 tours à 4, donc ça vous aide à avoir plus souvent. Je vais vous expliquer pourquoi vous l'aurez plus souvent, ne vous inquiétez pas. L'attaque de base, ça augmente juste la puissance de l'attaque de base de 30%, c'est tout à fait correct. La poursuite, donc là, vu que c'est en français et qu'ils traduisent mal, ils se sont trompés. En fait, ça poursuit petite lévitation. J'ai bien dit petite. Écoutez le son de ma voix, s'il vous plaît. Ça poursuit petite pour provoquer chute et immobilisation. Donc, c'est très très bon. Cette poursuite 1, en faisant cette poursuite, Kushina s'inflige de petits dégâts à elle-même. Ça a une importance pour plus tard. Vous vous dites, c'est complètement con de faire ça, mais. Vous inquiétez pas, elle va en tirer un bénéfice. Et surtout, elle est en sable deux fois par tour. Donc, c'est très bien lorsque on lit ses autres compétences. Notamment la compétence qui va suivre. Donc, la première ligne de passif, c'est des compétences qui vont l'aider, qui vont l'améliorer quand elle va recevoir des dégâts. Et notamment, la poursuite fonctionne. Donc lorsqu'elle va lancer une poursuite, elle s'inflige des dégâts et les deux poursuites vont s'activer. Le premier choix, c'est un choix offensif, donc que vous allez utiliser en première position, bien sûr. Donc à chaque fois qu'elle subit des dégâts, elle diminue le temps de récupération de 1 tour. Donc elle va ulti plus souvent si elle reçoit des coups. Ou si elle reçoit des coups, ou si elle réussit à appliquer sa poursuite, bien sûr, on l'oublie pas. Donc ça augmente son taux critique et son ult. Donc c'est très bien. C'est un personnage qui scale. En tant que P1, elle a des bonnes stats défensives. Donc elle va survivre sur le terrain. Et donc elle va attaquer de plus en plus fort. Et c'est un ninja donc qui va chercher le tour 10, bien sûr, bien évidemment. Un très bon ninja, très excellent. En plus, elle est pas trop chère, il me semble, en termes de coupons. En tant que 4 étoiles. C'est la moins chère de toutes, elle est vraiment très très bonne. Bref, du coup, en guise de comparaison, je pense qu'elle tient. Au bout d'un moment, Sasuke la dépasse parce que Sasuke et Rinnegan, en tant que skill break, avec tous les tours, enfin, ça devient vraiment un monstre absolu en fait. Mais sinon, vraiment, elle est vraiment très très forte. Enfin, Rinnegan est vraiment un trop gros monstre de scaling, mais. Elle a des armes pour se défendre, mais je pense que Sasuke est un peu plus supérieur en termes de dégâts. Bref. Ensuite, vous avez un passif. Donc, c'est la même version, sauf que ça lui augmente la défense et la résistance. De 8% également. Donc, ça, c'est un choix à utiliser en tant que position 2, bien sûr. Ou lorsque, en Space Time, par exemple, vous affrontez quelqu'un qui a deux fois votre combativité. Avec ça, vous avez des chances pour que. Votre Kushina ne subisse plus que 200 points de dégâts au lieu de subir 14 000 habituellement. Plus elle va recevoir de coups, plus elle va être résistante. Et ça peut avoir une importance en tant que ouais, en Space Time, en P1, lorsque vous affrontez quelqu'un qui a deux fois votre combativité, ça peut être utile. Et c'est utile surtout en tant que P2, en tant que tank, bien sûr. Puisque. Et grâce à ce passif, elle va réussir, même si votre P2 a des mauvaises statistiques, enfin comparé à votre P1 bien sûr, elle va réussir à rester en vie.
Donc, et puis, bah, c'est un peu comme dans la vraie vie. Si vous réussissez à avoir l'avantage numérique, en général, vous avez de grandes chances de gagner. Donc, très très bon. En plus, ça lui, le fait qu'elle reste en vie, ça permettra éventuellement de retirer l'immunité au debuff de vos adversaires. Donc, vraiment très très bon en tant que P2. Allez-y, pourquoi pas. Bref. Et ensuite, son dernier passif. Donc, tout ce que ça fait, c'est ça. Enfin, en plus de ça, augmente. Donc, c'est un passif qu'elle a habituellement. Ça augmente à chaque fois qu'elle fait une action, elle se régénère des points de vie. Donc, ça l'aide à résister en tant que P1, bien sûr, et en tant que P2, en tant que tank, bien sûr, à résister au coup. Elle est immunisée aux effets indésirables. Donc, très très bon, très excellent. Super magnifique. Le plus 2, ça augmente juste la quantité de soins qu'elle va se régénérer en chaque tour. Donc c'est tout à fait intéressant d'aller chercher. Le Y, je le déconseille puisque c'est un peu plus de niche. Donc Kushina reste immunisée aux effets indésirables. Donc ça, très très bon. Par contre, au lieu de récupérer des points de vie, elle augmente. Enfin, elle donne du chakra. Donc 20 fois. Elle peut activer cet effet deux fois, tout comme la régénération de soins en normal et en plus de tout court. Elle donne du chakra. C'est un peu plus quelque chose de niche, donc je vous déconseille de choisir ça. Je pense que le plus 2 est bien meilleur en fait, puisqu'il est plus farcesti, il correspond à plus de team, etc. Le truc c'est que elle régénère pas de points de vie, donc ça. Donc avec ça, elle n'a pas moyen de gagner en elle-même des points de vie. Donc il vous faut un soigneur pour qu'elle résiste au combat. Puisque le problème, c'est que elle va avoir tendance à prendre des coups. Elle va se donner des blessures. Donc si elle n'a pas moyen de se régénérer de base, ça va être compliqué qu'elle reste en vie. Mais vous avez peut-être besoin d'une team qui vous redonne du chakra. Mais ouais, je déconseillerais d'utiliser cette compétence. Voilà, bon, du coup, je pense que ça fait 40 minutes, dont 15 minutes sur Kushina, bien sûr. Donc, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'ai rien oublié à droite, hein, non, bien sûr. Donc, voilà, c'était le tier 1. Donc, je rappelle, des ninjas vraiment très très bons que vous pouvez dépenser en coupon, bien sûr. Voilà, voilà, vraiment très très bon. Vous pouvez dépenser vos coupons. Voilà, je pense que je vais conclure là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Et la prochaine fois, je vais vous parler des ninjas tier 2. Donc des ninjas qui sont un peu en dessous, mais qui peuvent être tout à fait intéressants, notamment au niveau des supports, bien sûr. Bon allez, je vous dis à la prochaine, à bientôt!